Le président tunisien Kais Saied a limogé jeudi 57 juges accusés de corruption et d'autres crimes après avoir adopté une nouvelle loi renforçant son emprise sur le système judiciaire. En Conseil des ministres, le président Saied a accusé entre autres des juges non nommés d'avoir retardé des affaires de terrorisme et de collusion avec des partis politiques. J'ai donné de nombreuses occasions et avertissements pour que le système judiciaire se ressaisisse. Je ne peux pas éradiquer la corruption et le non-respect des lois dans le pays sans purger complètement le système judiciaire. Nous constatons des retards délibérés dans l'ouverture de tous les dossiers, alors qu'ils sont prêts. Kais Saied, qui n'a cessé d'étendre ses pouvoirs depuis juillet dernier, a publié mercredi un décret l'autorisant à limoger unilatéralement des juges, alors que les groupes de défense des droits l'accusent d'assurer son autorité sur la justice. Le chef de l'État tunisien insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention d'interférer avec le système judiciaire.